bienvenue dans cette deuxième capsule. Aujourd'hui, on vous parle de comment monter l'habitat d'un terrarium pour un dragon barbu. Et bien sûr, ce sera Madame Patate qui va superviser notre beau travail. Il existe beaucoup de choix sur le marché pour les habitats. L'important est de choisir un habitat qui est sécuritaire pour l'animal, hygiénique et qui se nettoie bien, donc éviter les matériaux poreux qui peuvent absorber l'eau, qui possède de la ventilation, exemple sous forme de grillage, et qui est suffisamment grand pour permettre le déplacement du dragon barbu. Il existe beaucoup de choix sur le marché pour les substrats, tellement que ça peut devenir un casse-tête. J'ai fait pour vous 6 critères qui sont importants afin de choisir le bon substrat. Et le tout dépend également de votre type de terrarium. Il faut donc évaluer ces 6 critères afin de bien choisir le meilleur substrat selon votre terrarium. 1. Vous devez regarder à quel point le substrat est volatile et penser que le tout peut aller dans les voies respiratoires de l'animal, dans les yeux et dans la bouche. Également, on doit passer au fait que le substrat peut être ingérable et donc prévoir que si l'animal se nourrit à l'intérieur de sa cage, il peut y avoir des occlusions intestinales. On doit également penser à la rugosité du substrat, c'est-à-dire penser à ce que l'animal puisse exercer ses pattes. On doit également penser à la lourdeur du substrat afin d'éviter que l'animal puisse aller sous le tapis et se brûler sur la plaque chauffante. On doit retrouver un substrat qui imite bien le climat de l'animal. Donc, dans le cas du dragon barbu, pensez à un environnement désertique. Et on doit penser également à l'aspect nettoyage afin que le tout reste propre. Premièrement, le sable. Alors, le sable peut être une bonne idée pour un dragon barbu. Par contre, il faut penser à l'aspect volatile et s'assurer que notre dragon barbu n'en ingère pas. Également, il est important de choisir un sable qui est digestible pour ne pas créer d'occlusion intestinale. Sur le marché, il existe aussi différents substrats de fibres de coco, allant des substrats plus minces à des substrats beaucoup plus gros. Ce qui est important de penser, c'est que l'animal ne doit pas pouvoir ingérer ses fibres parce que ça pourrait causer également des occlusions intestinales. Également, un autre substrat populaire, ce sont les tapis. Les tapis sous plusieurs formes. Donc, parfois des tapis gazon, comme on peut retrouver dans nos maisons. Il est important de s'assurer que les mailles ne soient pas sous forme de loupe pour que l'animal se prenne les griffes à l'intérieur du tapis. Donc, on doit s'assurer que le tapis est comme celui-ci, bien lisse, et taillé. Ou également, il existe également cette forme de tapis. Ce qui est génial avec le tapis gazon, c'est que c'est facile d'entretien et on peut facilement nettoyer les excréments de l'animal. Certaines personnes vont également prendre des papiers ou sous forme d'essuie-tout. Ça peut être un bon substrat, seulement il faut s'assurer que l'animal ne puisse pas lever le papier pour aller parfois se brûler sur la plaque chauffante qui se situe sous la vitre. Également, un autre type de substrat est ce qu'on appelle l'aspen bedding. L'aspen bedding peut être un bon choix, comme vous voyez ici. Par contre, ça peut être parfois un peu volatile et il faut s'assurer que l'animal n'en consomme pas. Pour ce qui est des éléments à mettre à l'intérieur de la cage, vous avez une panoplie de choix. Ce qui est important, premièrement, les dragons barbus adorent prendre leur bain. Donc, chez Educasu, on aime bien mettre un bac d'eau pour leur permettre de pouvoir prendre leur bain quand ça leur tente, et afin de pouvoir se nettoyer plus souvent. Également, vous pouvez aller mettre des roches disposées comme ici pour aller refléter un peu l'aspect désertique. On peut également insérer plusieurs types de tapis. Comme vous voyez, chez Educasu, on utilise du prélard, le prélard qui est facile à nettoyer. Par contre, le prélard peut parfois être glissant. Pour éviter que l'animal soit toujours posé sur le ventre avec les pattes sur le côté, on va aller diversifier un peu la rugosité à l'intérieur de leur habitat. Par exemple, en ajoutant des tapis, en ajoutant des branches, malgré que les dragons barbus ne sont pas des très bons grimpeurs. On va tout de même mettre quelques branches pour leur permettre de grimper s'ils le souhaitent. Également des roches, et on peut y aller avec différents tapis, comme le tapis gazon, et des branches, comme vous voyez ici, où notre belle Calessie est en train de se faire bronzer à son point chaud dans son aquarium. Au niveau de l'éclairage et de la température, c'est très important pour les lézards d'aller chercher la bonne température au point chaud et au point froid. Donc, je vous explique un petit peu. Pour augmenter la chaleur à l'intérieur du terrarium, on peut y aller avec différents types d'éclairage qui produisent une certaine quantité de chaleur. Par exemple, on a les baking spots et les infrarouges, qui sont deux types de lumière nous permettant d'augmenter la chaleur à l'intérieur de la cage.
Également, on peut skier au wattage qui est devant. Plus le wattage est élevé, plus on augmente la chaleur. Également, il existe des céramiques noires ou des céramiques blanches qui peuvent produire une chaleur et augmenter la température à l'intérieur du terrarium. Également, il peut être bon d'avoir ce qu'on appelle des tapis chauffants. Alors, ce sont des structures qu'on va aller placer sous le terrarium et qui vont permettre de créer une chaleur provenant du sol et allant réchauffer le bedon, par exemple, de Madame Patate. Donc, également, il existe des roches chauffantes. Par contre, les roches chauffantes sont un petit peu à prescrire parce que souvent, le concept est bon, mais à vrai dire, souvent, ça fait défaut et l'animal peut se brûler. Donc, il est beaucoup mieux d'y aller avec un tapis chauffant parce que le tapis chauffant se place sous la vitre et donc, il y a un obstacle entre votre lézard et l'élément chauffant. Une autre chose très importante qui est souvent négligée, mais qui est très importante chez nos animaux, nos lézards principalement, qui sont des optiques, ce sont les UVB. Alors, le soleil rayonne et nous transmet plusieurs types de rayons, dont les ultraviolets. Et les UVB sont très importants pour que le reptile puisse synthétiser de la vitamine D3 et qui lui permet par la suite de capter le calcium des aliments. Alors, si on n'a pas d'UVB, puisque notre animal est à l'intérieur et est en partie protégé du soleil extérieur, les UVB ne traversent pas à travers la vitre. Donc, on doit lui donner une source afin de produire cette vitamine-là pour que l'animal puisse assimiler le calcium comme il faut. Un dernier détail important. Je sais que vous aimez reproduire l'habitat de votre animal. Par contre, lorsqu'on ajoute des végétaux comme ceux-ci, des végétaux qui sont faux, le dragon barbu consomme également de la laitue. Donc, souvent, ça s'approche un petit peu de notre laitue qu'on a à la maison ou qu'on peut leur donner. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le dragon barbu est très gourmand. Il pourrait aller ingérer des feuilles et ça pourrait causer des occlusions intestinales. Donc, il faut être... Ça, on peut décorer l'environnement, c'est très beau et on le fait également chez Educazo. L'important, c'est simplement de le mettre hors de la portée de votre dragon barbu pour éviter qu'il consomme du plastique. Dans votre terrarium, il est important de tester les températures, notamment les températures au point chaud et point froid. Qu'est-ce que c'est le point chaud? À vrai dire, le point chaud, c'est l'endroit dans votre terrarium où on atteint la plus grande température. Par exemple, ici, on pourrait s'imaginer que Madame Patate viendrait se poser face à la lampe chauffante ici, ou même à cet endroit. Donc, vous pouvez, à l'aide d'un thermomètre, aller tester la température au point chaud. Le point froid, au contraire, c'est l'endroit dans le terrarium où la température est le plus froide. Donc, par exemple, si on déplace Madame Patate au point froid, on pourrait avoir un point froid à cet endroit. On pourrait également avoir un point froid à l'intérieur du bol d'eau, si jamais elle décide d'aller se rafraîchir et de prendre une bonne petite baignade. Pour un dragon barbu, les températures au point chaud doivent atteindre de 33 à 36 degrés durant la journée et 28 degrés au point froid, alors que la nuit, on doit avoir une température avoisinante les 20 à 22 degrés. L'humidité est également importante à prendre en compte. Par contre, le dragon barbu est un animal désertique. Donc, le pourcentage d'humidité avoisine nos pourcentages d'humidité qu'on a notamment dans nos maisons autour de 40 à 50 %. Par contre, si vous lui mettez un petit bol d'eau, on vient de régler le souci, puisque si jamais elle manque d'humidité, elle pourra à sa guise aller prendre un bain. C'est ce qui conclut notre capsule sur le terrarium du dragon barbu. Alors, ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'existe pas une seule façon de construire un bon terrarium. Par contre, pensez à certains éléments importants. Par exemple, assurez-vous de la sécurité de votre dragon barbu. Également, n'hésitez pas à combiner des substrats à l'intérieur de la même cage. Et toujours pensez, bien sûr, à la santé de votre petit animal. On se voit dans une prochaine capsule où on parle des soins et de l'alimentation du dragon barbu.